Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur FIFA 22, FUT 22, comme vous voulez, FIFA Ultimate Team, pour aller faire la petite carte SBC de Saïd Ben Rahma. Donc, vidéo très courte, c'est pour vous donner un peu la solution du SBC. Assez rapide, je vous conseille de la faire, elle est disponible à peu près une semaine. Donc, regardez, très très belle carte affichée à l'écran. Bref, c'est très simple, il prend un poids partout par rapport à la carte Europa 85. Voilà, comme ça c'est clair, donc c'est un petit boost. Sauf que cette carte a l'avantage qu'à chaque fois, si éventuellement il y a une évolution, cette carte-là, les statistiques évoluent tout ça, donc elle est vraiment pas à louper si vous êtes supporter d'équipe nationale d'Algérie comme moi qui jouais quasi qu'avec l'équipe d'Algérie sur FUT, en tout cas pour le moment et ces dernières années. Du coup, on va la faire ensemble, comme ça vous pouvez vendre l'autre et bref, c'est très simple. Vous allez voir, première ligue, donc condition, un joueur minimum, note générale 83, collectif minimum 75. Vous savez, quand vous accumulez des matchs sur FUT, etc., la plupart des joueurs de club vous les avez. Alors regardez, c'est très simple. Moi, tous les joueurs là, je les avais. On est parti sur une équipe à peu près de première ligue à quasi 100% pour le collectif soit assuré de 75. Je vous conseille de faire de même. C'est des cartes qui coûtent pas très cher, c'est très simple. J'avais tout dans le club. Sauf Thiago Silva, que j'ai acheté à peu près 5 000 ou 6 000, je sais plus, et Werner, que j'ai acheté à peu près 4 000. Donc on est à peu près à 10K. Tout le reste font partie de l'équipe. Donc voilà, vous voyez à peu près les notes. Il faut à peu près 2 à 85, ensuite 1 à 84, et le reste, vous pouvez mettre un peu en dessous, 82, 82, 81, voilà. Voilà à peu près. Je vous faites imprimer écran, vous mettez pause si vous voulez, vous notez les joueurs, si vous voulez pas vous casser la tête. Vous achetez tout, transfert, et voilà, c'est réglé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on soumet, option soumettre, ok, on va soumettre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne veut pas faire? Attendez, j'ai failli faire n'importe quoi. Ok, on soumet l'équipe. On obtient en même temps un petit pack premium. Voulez-vous soumettre cette équipe? Ok, on soumet. Un joueur au plus, c'est décevant de conflit avec des joueurs dans votre équipe FC. Pulisic, Chilwell, voulez-vous soumettre quand même? Pulisic et Chilwell, ok. Bon, bah apparemment, j'aurais peut-être mis deux fois les mêmes. Du coup, je vais peut-être devoir refaire ça. Désolé si c'est le cas. On a 15 petits packs. Voilà, qu'on ouvrira peut-être un peu plus tard, mais bon, c'est pas grand-chose. Alors, ouais, on s'est fait avoir sur Pulisic et Sewell, ok. Donc, du coup, je vais mettre pause et je reprendrai après hein, au montage. Donc, voilà, en fait, j'avais dans le club, j'ai simplement rajouté le joueur-là, Nacho, en DC 80, ça passe. Donc, voilà, là, pour ces conditions-là, il vous faudra un joueur d'équipe de la semaine. J'avais tout dans le club aussi. Hein, donc, voilà, je dois sacrifier quelques joueurs, mais je joue pas avec de toute façon, du coup, c'est pas très important. Voilà, on a quelques cartes 85, 84. Vous n'êtes pas obligé de vous faire les mêmes, mais prenez à peu près note, prenez à peu près idée des notations. Voilà. Voilà, il faut un peu de 86, un peu de 85 pour relever le niveau des cartes un peu plus faibles à 80, 84. Vous avez à peu près une idée, je vous invite à le faire. On va soumettre ça à la famille. Voilà, on va soumettre comme ça. Ça ne va pas être très long, c'est une vidéo très courte. Vous faites pause si vous voulez faire exactement la même chose sans réfléchir, vous le faites. Sinon, avec un petit peu de réflexion, ça m'a mis à peu près une demi-heure à le faire. Du coup, très rapide, très cool, aucun cassage de tête. Et on obtient Saïd Ben Rahma, le SBC, non échangeable. Et c'est très bien comme ça en tant que supporter algérien. Comme j'ai dit, c'est une carte qui, d'après ce qu'on m'a dit, voilà, très très belle en plus, très 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 belle, c'est bien, ça fait vachement 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 plaisir de l'avoir. Ok, on passe à Saïd Ben Rahma, excellent, presque la même carte que Mahrez, les frères, hein. Et presque la même carte que Mahrez, donc c'est très très plaisant. Là, on va avoir une belle petite équipe, on l'ajoute au club, enfin bref, ça je le ferai plus tard tranquillement, pas besoin de se casser la tête. Du coup, c'était tout, la famille. C'était tout. Voilà, j'irai l'ajouter dans ma petite équipe d'Algérie. Je vais juste voir un peu, comment dire, ce que j'ai à faire, etc. Avant, au niveau du changement avec avec Saïd Ben Rahma 85 que j'irai vendre. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Même, elle est beaucoup plus belle, la carte. Ne serait-ce que déjà au niveau, entre guillemets, visuel, elle est beaucoup plus belle. Voilà, c'était la carte-là qu'on va aller revendre. Hein. On va récupérer quasi ce qu'on a investi. Là, les 20 000, 30 000 dessus. Du coup, tranquille. Faites-la. Dites-moi si vous l'avez fait. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Salam, la famille.